merci. Les gars, est-ce que vous savez que c'est pas facile la vie d'artiste? Oui, parce que tu n'es même plus libre de vivre ta vie aisément, comme tu l'entends. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui sont là à surveiller ta vie. Et elles sont toujours prêtes à te poser des questions bizarres. À ça, moi, je dis questions bizarres, réponses bizarres. Donc, lorsque je dis questions bizarres, réponses bizarres. C'est-à-dire que tu n'es même plus libre de te rendre dans ton bengadrome pour manger ton benga tranquillement. Tu vas toujours voir quelqu'un qui est là à te regarder. Il dit, et c'est pas lui, il est passé à la télé là. Ah, lui, il mange bien. Hein. Mais ça ne lui suffit pas. Hein. Il va prendre son courage à deux mains et venir vers toi. Et te dit, mais c'est toi. Donc, toi aussi, tu manges bien. Hein. Mais tu fais quoi ici? Comme je l'ai dit, à question bizarre. À ça, moi, je dis, c'est mon pied qui est cassé. Je suis venu chez le soudeur pour souder. Ça veut dire quoi? Mais le... C'est-à-dire que c'est à cause de tout ça que vous allez remarquer que maintenant, nous, les artistes, on se promène tout le temps avec une clé de véhicule en main. Oh, pourtant, même la roue, on n'a pas. C'est-à-dire que le gars, il se débrouille avec sa moto koyo-koyo. Et lorsqu'il a un spectacle, il vient très tôt et il laisse ça même à 1 km avant d'arriver. Mais il y aura toujours un bandit qui va l'accueillir. Joe, tu es là, mais tu es venu comment? À ça, moi, je réponds. Réponse bizarre. Et je dis, je suis venu en bateau. C'est la clé même, tu vois, comme ça. Non. Non. Non, non, mais nous, les artistes, on souffre. Mais heureusement qu'il y a de bonnes volontés qui sont là pour nous soutenir, nous soulager régulièrement. Pour cela, je vous demande d'applaudir énormément pour eux. Les bonnes volontés, les mécènes. On applaudit pour eux, s'il vous plaît. Et que Dieu continue à préserver leur nez. Donnez-moi un amen. Amen. Les Kachula, yes, Koum. Merci d'applaudir pour le public. Voilà. Merci beaucoup, Kachula. Le temps est donné pour cet autre rendez-vous de la télé s'amuse en ce samedi. En tout cas, installez-vous comme il se doit. Il a dit, hein, aujourd'hui, on rendra hommage à un mécène, à ceux-là même qui ont décidé donc de donner de leur temps, de donner donc de leur personne pour que ces artistes puissent en tout cas profiter de leur art. Bien le bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la télé s'amuse. Maintenant c'est compris, les moutons se suivent mais pas même prix. Typique. Des gens qui ne bougent pas beaucoup, mais ça bouge à l'intérieur, quoi. Tu vois? C'est un peu comme le gars, on dit, il est allé dans un show, tu vois, il a porté le bazin, 3 pièces. Mm-hmm. Le gars, il est calé,
Il bouge pas, mais il transpire. Il bouge pas, mais il transpire. Comment ça? En fait, quand on a soulevé le boubou, en bas là-bas, là, ça fait comme ça. Tu vois, ok. Avec le boubou, on sent pas le mouvement. Avec le boubou, on sent pas le mouvement. Voilà, c'est un peu. Gars, il est en train d'assurer. C'est un peu comme au public, là. Tu vois, les gars, ils viennent. Bon, au fond, léger, léger, quoi. Merci de vous applaudir encore, public. Asparo, bonjour, ça va? Oui, Guy, je vais bien, et toi? Ça va bien, on dit quoi? Ouais, ça va super, comme d'habitude, hein, ça va. Bon, demande spéciale, Guy. En ce jour, ne m'attache pas. Non, je ne veux pas t'attacher. Ok. J'ai pas de corps dans ma possession. On laisse tomber en avance. D'accord, on m'a dit de m'en accorder. Francky, on dit quoi? Non, ça va. Tranquille? Ouais, ça va. Francky? Ouais. Moi, ce qui me fatigue, c'est le rétroviseur au niveau d'ici là. Il n'y a pas de rétroviseur. Mais est-ce que ce qui est devant, on appelle ça rétroviseur? Bon, je n'ai pas de ce rétroviseur central. Ah, ok, d'accord. En fait, Bella, tu peux faire le rétroviseur là. C'est une Gizzo. Manière pour moi. Bélem, après, on peut zoomer ça. Bélem, après, écoutez bien. Tu prends le rétroviseur après. Bien, hein? C'est une manière pour moi de attends, dire à toutes attends. Ces personnes-là qui ont gros ventre, n'ayez pas honte. Ah. Il faut vous assumer. Voilà. Au ventre. Les gars, attendez. Vive la gaine. Ici, la gaine. On ouais. Assume. En tout cas, sur ce plateau, vous allez assumer. Parce que, en fait, tu n'es pas la seule. En tout cas, j'ai mes collègues. Voilà. Francky. Ouais, Guizzo. Tu as... On dit exemple. Les gens sont bizarres quand même. Hein. Aujourd'hui, là, Les gens sont bizarres quand même. Hein. Exemple. Chacun n'a qu'à prendre son exemple. Voilà l'exemple là qui est là. Francky. Ouais, Guizzo. Ta nouvelle pour nous? Ouais, tu sais, à Ouagadougou, il y a des gens, quand ils se promènent comme ça, ils cherchent problème. Voilà. À Ouaga, il y a des gens, les gens de Carpa, là. Eux prient Dieu qu'il y ait un accident et puis on les dédommage. Ah, c'est les gens de Tampuy, Carpa, Tampuy, voilà, les gens qui sont un peu loin. Voilà. Donc le mec, il était à vélo sur la circulaire du Siao. Donc il a calculé une grosse cylindrée qui vélait derrière. Mais malheur pour lui, en fait, il voulait se jeter. Le retrouveur le tapait un peu et puis dit, il est mort, on va le dédommager. On dédommage les mais morts. Bon véhicule a toujours bon frein. Le gars de la grosse cylindrée, quand il a vu ça de loin, il a freiné. Donc c'est taxi moto qui est venu cogner le gars de vélo. Là. Ah! On dit Madou, reste là, on fait comme ça. Il dit, on s'est lui là, 2000 sommes, c'est bon. On dit non, t'envoies aussi espèce. Il dit non. 2000, c'est bon. On l'a donné 2000. Il allait au Bengadrome. Il veut Benga 200, poisson 300. Mais quand il mange, le coin se salit. Donc il s'est dit, madame, vous ne pouvez pas essuyer ici. Il mange encore, ça se salit. Déjà, son ventre est percé. Hé, hey, Francky! 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 C'est bon, Frankie, c'est bon. Allez, je tiens donc à vous dire, à préciser que nous sommes en compagnie de l'association des étudiants en technologie solaire appliquée. Voilà, merci de vous applaudir, les gars. Après, vous allez nous dire, c'est quoi technologie solaire appliquée, là? Vous allez nous dire ça. C'est la question, là. Parce que là, elle est filée, vraiment, tu te poses des questions. Vous allez sur le soleil, vous travaillez? Affaire de soleil, on va là. Comprendre ça. On va comprendre tout à l'heure. Et puis nous avons aussi avec nous la team hein, voilà, de Kachula Nyeskoum. Non, pousse, comment? Viens. Viens. Non. Bonjour. Bonjour. Pourquoi c'est les gens qui sont petits de taille là-haut? Qui aime se faire remarquer comme ça. Non, et là, tu m'attaques. Il est si petit, mais il a bouffé beaucoup de janvier, au fait. Ah. Tu es petit, mais il a bouffé beaucoup de janvier. Ouais, ça, c'est pas le problème. Mais pourquoi vous, les petits, là, vous aimez vous faire remarquer? Bon, d'autres disent que je suis petit, d'autres disent que je suis pas petit. Mais ceux qui disent que je suis pas petit, ils sont pas nombreux. Ah. Voilà. D'accord, j'ai compris.
En fait, il est petit là-bas, mais c'est lui qui fait. Genre en mode. En mode... Ah non, il y a un nom. Le nom c'est quoi? Ah. Alors, son nom c'est Beauparleur. Non, Haut-parleur. Voilà, ça marche, y a pas de souci. Et puis nous avons aussi avec nous une partie de nos pépites. Voilà, pour cette saison 3 de Pépites d'entreprise. Applaudissez pour vous. Non, vous faites pas. Et puis, on va faire un maximum de bruit pour nos mamans qui sont là. Voici donc à présent le moment pour nous de recevoir notre invité en ce jour. C'est un samedi spécial. On l'a dénommé donc le samedi de la personnalité à l'honneur. C'est un mécène qui sera avec nous. On va comprendre un peu tout ce qu'il y a autour de lui, comment est-ce que les choses fonctionnent, tout ça et tout. Mais en attendant, on va vous demander de suivre donc cet élément vidéo. Et juste après, on le recevra ici sur ce canapé. Moi, c'est Honorable Abdoulaye Sorgou, directeur général du groupe Omega International. Donc, le groupe Omega International là, est une société qui est basée à Ouagadougou, ici, au Burkina Faso. Et nous sommes aussi, comme l'indique le nom, à l'international aujourd'hui, grâce aux efforts, en tout cas de l'ensemble du personnel. Nous sommes actuellement basés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, précisément dans la grande commune de Yopougon. Et au niveau de l'immeuble Kalabou. Pour dire que nous avons vraiment décidé d'avoir un décollage international et nous sommes vraiment actuellement en pole position après la Côte d'Ivoire pour aller dans d'autres pays comme le Niger. Groupe Omega International, nous sommes vraiment le BTP au niveau des activités. Nous sommes dans le BTP, donc bâtiment de travaux publics. Nous sommes donc dans les constructions d'immeubles privés et publics. Nous sommes aussi dans l'aménagement des puces rurales. Nous sommes dans les mines et carrières. Nous sommes dans le transport, la logistique. Nous sommes dans la promotion immobilière et foncière. Et aussi dans l'événementiel et la communication. Visage si bien connu et aujourd'hui qui nous fait donc l'honneur d'être notre compagnie. Dernièrement, il a été d'ailleurs sacré mécène de l'année à l'occasion donc de la 7e édition de la Nuit des Stars. Public, on va se tenir debout et puis on va recevoir ensemble, comme il se doit, l'immense, le grand Abdoulaye Sorgou. Merci d'applaudir pour lui. C'est pas manger l'homme seulement, on appelle sorcier. On est jaloux de mon bonheur. Tu es sorcier. Ou rien comme ça, je t'élève. Tu es sorcier. Tu souris, mais ton cœur est noir. Tu es sorcier. Je dis, c'est pas manger l'homme seulement, on appelle sorcier. On est jaloux de mon bonheur. Tu es sorcier. Ou rien comme ça, je. Merci beaucoup. Merci donc de vous installer. Je le garde bien, je. Je peux le garder? D'accord. J'aurai le plaisir d'attraper. Ah ouais? Merci de vous asseoir, public. Vous pouvez vous rasseoir. Voilà, en tout cas, Asmao, ça te fait quoi? Je me sens dans la peau. Hein, de quoi? Du récipiendaire. Du récipiendaire? Oui. C'est qui le récipiendaire? Non, c'est l'honorable. Non, non. Définition du mot récipiendaire. Bon, quelqu'un qui a reçu un prix. Ah, ok. Donc, quand tu reçois un prix, tu es récipiendaire. Voilà. Ah.
Ça marche. Monsieur Sourou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. Tranquille? Ça va bien. Digne fils de Tampouy, ou bien? Oui, la principauté. Ah ouais? Vous aimez bien ça, Tampouy? Franchement, attends, c'est qui le prince même? C'est qui le prince? Parce que s'il y a principauté, il faut qu'il y ait prince. C'est qui le prince? Pas maestro. il est loin d'être prince. C'est qui le prince à Tampouy? Bon, le prince à Tampouy, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Ah ouais, bien trouvé celle-là en tout cas. De la jeunesse. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ça se sent. Très jeune. Ouais, ouais, c'est évident, très jeune. Alors, vous êtes venu avec le trophée, donc, mécène star de l'année 2022. Qu'est-ce que ça vous fait déjà de recevoir une telle distinction? Bon, il faut déjà dire que je rends grâce à Dieu parce que à chaque fois que je reçois une distinction, ne serait-ce qu'une attestation de reconnaissance, je rends grâce à Dieu. D'accord. Pour le cas de 2022, mécène 2022, oui. Avec la nuit des stars, oui. Sincèrement dit, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Mais j'ai regretté parce que ce jour, je n'étais pas là. Oh là là. Je n'étais pas là parce que j'étais en mission à Lomé. Mm-hmm. Voilà, donc c'est mon représentant qui a récupéré je dirais le trophée. En tout cas, ça m'a fait chaud au cœur et puis je remercie vraiment l'initiateur, d'accord, le promoteur de la Nuit des Stars, mm-hmm, qui a bien voulu vraiment m'élever. Ah ouais, ouais. Il vous a élevé. Il vous a élevé parce que vous avez élevé d'autres personnes. C'est parce que vous avez eu aussi à accompagner des personnes qui ont... L'élévateur élevé. Voilà. Par la grâce de Dieu, oui. Hein? Par la grâce de Dieu. Alors... Et qu'est-ce qui vous motive à accompagner ces personnes-là? Il faut dire que la musique, le sport... les milieux associatifs, c'est vraiment une passion pour moi. Okay. Musique, sport, milieu associatif. D'accord, je retiens ça. Voilà. C'est une passion pour moi et pour la petite histoire, je suis un pur produit de CDNU Productions. Mm-hmm. Ouais. Voilà. Vous avez été manager? Manager, non. J'étais chargé de la gestion des stocks. Ok. Des cassettes et CD. Mm-hmm. Chargé des ventes aussi. D'accord. Et... Donc c'est un domaine que vous connaissez? Absolument. Vous le maîtrisez même? Absolument. On peut le dire comme depuis ça. Depuis 98. Ouais. C'est la vie de l'échange. 1998-2022. 24 ans. 24 ans. Alors, si on fait 24 ans moins l'âge de certaines personnes ici, c'est pas évident. Il restera moins. Qui? Qu'est-ce qu'on peut viser les gens comme ça? Non, j'ai pas dit le nom de quelqu'un. J'ai pas dit le nom de quelqu'un. À ce moment, 24 ans moins. Bref. Bref, d'accord. Bref. Alors, moi je veux savoir, dans une autre vie, si vous n'aviez pas été ce mécène, cette bonne volonté, est-ce que vous seriez peut-être artiste, chanteur? Certainement. Ah ouais? Ah oui. Je peux dire que je me suis retrouvé comme mécène. Parce qu'en réalité, j'ai raté ma carrière d'artiste. Vous avez raté la vocation? Ah oui, la vocation. Ah ouais? Comment ça se passe? On rate ça comment? On rate ça, bon, c'est que c'était pas ma destinée en réalité. Mm-hmm. Et Dieu avait choisi un autre chemin pour moi. Mais vous avez essayé? J'ai essayé, bien sûr. Vous avez essayé comment? J'étais interprète. D'accord. De Alpha Blondie quand j'avais 6-7 ans à l'école primaire, en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. J'ai interprété Francis Cabrel au lycée. Ouais. J'ai interprété Phil Collins. Jean-Jacques Goldman. Aussi, bon, j'étais venu sur... j'ai appris à jouer à la guitare. Ah ouais? J'ai commencé les premières notes. Taran, taradam, taran, taradam. C'est tout ce que j'ai fait. Alors, reste à côté. Vous avez cité Alpha Blondie, oui. Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Phil Collins. C'est dans lequel des gens vous sentiez le plus à l'aise? Parce que c'est des gens différents, hein. Bon, c'est vrai que Goldman, Cabrel et puis Phil, on les met ensemble. Absolument. Alpha, c'est du reggae. Alors, c'est dans lequel des gens vous sentez à l'aise? En fait, c'est des artistes que j'ai beaucoup aimés. D'accord. Depuis tout jeune. Ok. Donc, ça fait que bon, quand j'aime un artiste, j'essaie de, je dirais, de bosser un peu ses chansons par cœur. À ce moment-là, juste un peu. Un peu seulement. Où vous sentirez à l'aise? Allez-y. Ça fait 3, 2, 1, go. On vous accompagne comment? Comme ça? Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien de sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir.
Je l'aime à mourir. Elle est si belle. Là, on est en quelle année? À ce moment, reprends ton micro, voilà. C'est l'inspiration, quand on entend les belles voix comme ça. Les bah... années 90. Les années 90. Les années 90, d'accord. Absolument. Alors, vous avez dit musique, football, milieu associatif. Mm-hmm. Alors, vous savez que bientôt, il y a la Coupe du Monde. C'est ça. Vous avez une équipe favorite pour la Coupe du Monde? La Coupe du Monde, je l'ai dit, c'est le Burkina Faso. Malheureusement, les États ne sont pas qualifiés. Je l'ai dit, le Burkina Faso, c'est ma première équipe déjà. Oui, mais malheureusement, ce n'est pas au Qatar. Ouais. Bon, que le meilleur gagne. Hein. Que le meilleur gagne. D'accord. Alors, moi, je suis sélectionneur. Okay. Voilà, et donc là, je suis en train de former mon équipe. J'ai besoin d'un buteur. Okay. Je sens que vous avez l'âme du buteur en vous. Un vrai numéro 9. Okay. Un peu Jean Momoni Dagano. Okay. Je sens ça. Quand je vois, je sens. Okay. Mais là, on doit aller au Qatar pour un petit tournoi. Donc, je veux voir si, toutefois, je peux compter sur vous. Okay. C'est pas compliqué. Okay. Petit tir au but, 3 chances. Si ça rentre, on s'en va au Qatar. Okay. Ça peut aller? Ça marche. Allez, juste après le jingle, on va aller pour le tir au but. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé s'amuse. Alors, honorable, monsieur Sourou, vous venez. Ok. C'est pas compliqué. C'est juste. C'est pas compliqué. Pas du tout. Voilà, c'est trop juste. Voilà. Donc, séance de tir au but. Si vous. C'est 3, vous avez 3 tentatives. Si vous arrivez à marquer déjà 2, oui. On est qualifié pour le Qatar. 3 sur 3. On va en finale directe. Voilà. Si c'est un, bon, on reste à la maison. Donc, c'est comme vous voulez. On y va pour la première tentative. Bravo! Pour l'instant, on est à l'aéroport. L'avion est prêt à décoller. Monsieur Sourou, la nation compte sur vous. Il prend son élan. Qu'est-ce qu'il va faire? Concentration! Oh! Alors, on est à l'aéroport toujours. On a passé la douane. On est prêt pour l'avion. Monsieur Sourou, allez-y! Bon, on me dit à l'oreille que comme l'avion a démarré et qu'il y a du kérosène qui a été consommé, ça ne va pas rester comme ça. On nous donne une dernière chance. Là, on est sur le tarmac. On est prêt à monter. Monsieur Sourou, on vient à l'Okata. On vient à l'Okata. Voilà! Il a été dit que cette année, c'était pas pour nous. Ouais. Mais c'est sûr que l'année prochaine, on ira. Je reste avec le Burkina. Vous restez avec le Burkina. Voilà. Il a décidé de ne pas aller au Qatar parce que le Burkina n'est pas au Qatar. Voilà. Donc on va rester à la maison. Voilà. Et puis sur ça, la télévision, ça va. Allez, en tout cas, on passe un super moment ensemble ici sur BF1 dans le cadre de la télé s'amuse. J'espère qu'il en est de même pour vous qui nous suivez depuis votre poste récepteur. Alors, je peux avoir un jingle pour qu'on me débarrasse de ce qu'il y a sur le plateau. Merci. À la réalisation. Voilà, merci beaucoup. Voilà, il y a des choses qui se passent en direct ici. Tellement que le match était chaud, que mon micro m'a lâché à un moment donné. Mais c'est bon, on me reçoit, non? Bien sûr. Mais c'est bien si je l'ai comme ça. Hein, ça fait un style, de façon. Ça fait fatigué aussi. Ça prend, non? Alors, si ça prend, applaudissez pour moi quand même. Hein?
Allez, on va marquer une petite halte. Voilà, question de souffler et de se permettre un bol d'air. C'est en musique qu'on va le faire avec un artiste hein, que vous aimez bien, que vous connaissez déjà très bien, je dirais comme ça. Son style là, c'est Zao. Maestro, aide-moi, tu regardes derrière toi. Zaorisation. Voilà, on va zaoriser ici maintenant dans la télé s'amuse. Voici pour cette première prestation, Jérémy Palé. Merci de l'applaudir. Si basé. Quand fin du boss, c'est boss. Quand fin du boss, c'est boss. Génération non glacée. Tipsy boumine que warongo, mwirmin, gomaga, fourmin, cassandier. Te boile le pamte si basé, man si basé. Te boile le pamte si basé, man si basé. Bidisa wala bam tibla, passa selfie. Amelgel la bam non la, nap chate. Glass la bam dat la, ning tip topé. La wala singa yek tabi chosan Bikoum kamoum da mba hakaraye Ti faksa la bam dam la, bam dam Bodisa la bam dam la, yes bam dam Be am wit la bam nong ye, ye di bam dam Vodka la bam dam Kolye chole, chol pa la banlaga Banlaga ning nire, pak bil kombi yo Janjang tobre ki, te panna imi Balaga ningire pakamir kombi yo danjang tobrikin Ye mala derbia Ye amala derbia a derbia mam tirbio a derbia mam tir ko yel biero a derbia wa pilim du yo a derbia yigir ko er mawo a derbia chole Chole, chole pa la balaga, balaga ning mire, pak mire kombi yo, janjang tobri ki. Pendant qu'il était en train de faire, le monsieur était en train de faire un pas là. Est-ce qu'on peut... Non, attends. Viens. Oui. Comment tu vas? Je vais très bien. On va regarder la caméra. Voilà, je vais très bien. Alors, ce que tu nous as présenté là, c'est une nouvelle sortie? C'est une nouvelle sortie. Mm-hmm. Ça fait partie de mon album, Pianka Wende. Oui, qui est sorti il y a quelques mois de cela. Voilà, quelques mois de cela. Ouais. Voilà que je profite déjà de dire merci à l'honorable, le PDG du groupe Omega. D'accord. Vraiment, c'est grâce à eux, je suis aujourd'hui le roi de la zolorisation. Ah ouais. Et puis le maestro aussi, hein. Le maestro le faisait des stars. D'accord. Ah. Il m'en ferait, voilà, aujourd'hui je suis complet. Dans le micro. Ouais. Alors, monsieur Sorogou, un mot à l'endroit donc de Jérémy. Je dirais que Jérémy, c'est un artiste exceptionnel. Okay. Ah, oui. Qui a vraiment beaucoup d'avenir devant lui. Parce que il est très humain. Ok. Et c'est très important dans l'art. Mm-hmm. Quelqu'un qui est très humain et qui aime ce qu'il fait, il va de l'avant. D'accord. Ça va.
On va donner le numéro de téléphone. Voilà, pour les gombos, c'est important. C'est le 72 16 75 81. Okay. C'est pour les gombos, c'est pour le maestro le fait. Merci beaucoup, Jérémy. Tu peux y aller. À la prochaine, en tout cas. On va l'applaudir. Vas-y, vas-y. Merci. Vas-y avec. Ça marche. Ok. Alors, monsieur Sorogo, c'est bon, ça va jusque-là? Ça va. Tranquille? Sans problème. D'accord. Comment ça se passe? Comment se fait le choix des artistes que vous décidez d'accompagner? Faut forcément que ces artistes-là vous connaissent, que vous les connaissez, faut qu'ils viennent de Tempouilly ou bien c'est comment? Bon, généralement, c'est une question d'approche. C'est les artistes qui viennent vers moi et qui posent leur doléance. D'accord. Il y en a aussi que j'ai connu depuis tout petit. Il y en a qui n'avaient même pas encore commencé à chanter. Ah ouais? Quand j'ai vu du talent en eux, ils sont venus vers moi, bon, j'essaie de les accompagner. Okay. Je prends l'exemple de Jérémy Palé tout à l'heure. Mm-hmm. Voilà. Je l'ai connu par l'intermédiaire de son grand frère qui chantait déjà les oreilles. Voilà. Et en ce moment, j'étais manager d'artiste. Okay. Voilà. Donc, j'ai managé même un autre artiste qui faisait le même genre musical que lui. Musical. Mm-hmm. Voilà, dans la zéroisation. Voilà. Donc, c'est pour dire que je connais un peu le genre musical. Mais dès que j'ai découvert Jérémy Palé, j'ai vu que vraiment, il venait avec une innovation dans le zaoré. D'accord. Alors, dans la danse zaoré. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que quand les artistes vous approchent, il faudrait qu'ils arrivent à vous convaincre, c'est ça? Absolument. Ah ouais. C'est quoi? On les teste ou bien ça se passe au flair? Ça se fait, en fait. Bon, en réalité, j'accompagne les artistes dans leurs prestations ou bien dans leur talent directement comme ça. Ok. Non, non, c'est quand ils viennent, ils déposent une doléance. J'ai besoin que tu m'accompagnes pour faire un clip. J'ai besoin que tu m'accompagnes Pour la sortie d'un album. Mm-hmm. Voilà, au studio, dans les chemins, pour un concert. Même les festivals. D'accord. Voilà. Ok. Ça marche. Merci d'applaudir pour lui. C'est important. C'est important. Voilà. Je sais pas, vous là. Ils sont échoués. C'est les gars qui sont quittés vers Bonneuville. Là. Ah, ok. Enfin, les quartiers reculés là, c'est... ils sautent pas souvent, donc quand ils sautent comme ça là, tu vois. Vous êtes ça? À ce moment, faut un micro là-bas, je vais voir quelque chose. Non, derrière, carrément derrière même. Ils ont un micro là-bas? Oui. Okay. Tu dis quoi? Je dis on vient de Karpala. Yeah. Attends, reprends. On vient de Karpala City. À cause de Demi Goudron, il y a Akapala maintenant. Je te dis. Tu changes ta manière de voir les choses. Non, en fait, tu vois, comment on appelle ça, tu vois, on n'a plus la poussière. Et tu vois, il y a le goudron qui est là. Quand tu circules, tu glisses, tu patines. Ce qu'on va faire, on va jouer. Allons pour ce jingle et puis on revient juste après pour le jeu. De la
première audience en téléphone ici au Burkina Faso, BF en télévision. C'est la télé s'amuse en ce samedi 19 novembre 2022. Nous sommes donc en direct depuis nos studios. Alors, ce qu'on va faire... Bon, envoie-moi un représentant. Décidez, un représentant. Faut t'asseoir. Les gars de Soleil, là, envoie-moi un représentant. L'intello. Ah. Yes. Il faut t'asseoir. Alors, ça s'appelle le jeu Read My Lips. Voilà. Alors, lis sur mes lèvres. D'accord. On va te porter un casque. On va te mettre la musique à fond. On va montrer un mot à ce monsieur ou encore une expression. Il va dire ça. Il va parler. Toi, tu dois lire sur ses lèvres et puis nous dire ce qu'il a dit. Il va bien parler. Oui, il va bien parler. Attends. Non, mais attends, même tu vas pas attendre. Parce qu'on va te mettre le casque, il y a musique. Ça dit quoi? Il n'a qu'à faire quoi? Il n'a rien parlé. Ouais. D'accord, il va bien parler. Tu t'appelles comment? Lil Black. C'est plus haut parleur. Non. Ah, il est toi seul là, tu as beaucoup de noms. Jafet. Jafet, ça marche. À ce moment, porte le casque à Lil Black. Ouais. Enlève chapeau là. Tiens, mon bébé. Reste tranquille. Ma faut rester tranquille, on va bien mettre le casque là. Attends. Ça là, c'est bloqué. Parce que... Voilà. Assieds-toi bien. Voilà. Attends. C'est comme ça. Assieds-toi bien, faut bien t'asseoir. Voilà. C'est bon? Vas-y, mets le son. Tout le volume. Attends. Comme ça. Ça va? C'est bon? Ça va, ça va. D'accord. Hé, hey, tu entends, non? Ça va? Hé! Hey. Non, non, il y a un problème. Il y a un souci. C'est ça, il y a un problème. Il y a un souci. Vas-y. Ça va. Il entend. Tu entends? Tu entends? Ça va? Tu vas bien? On dit quoi? Ça va? C'est bon? Ah, ok. Tu dis quoi? Tu entends? Toi, tu es sûr que. Tu dis quoi? Il faut vérifier ses oreilles, il y a des phénomènes là. On a qu'à vérifier ses oreilles. Il y a des phénomènes souvent. Ah, c'est normal, hein? Tu es un tricheur, lève-toi. Non, il Viens! Asma, bloque comme ça. Ok. Voilà. Mets la musique. Voilà. Tranquille, je peux avoir le... Là, à la caméra. Mon cher, regarde-moi. Non, il peut pas voir. Éteignez-moi cet écran-là. Belém, c'est bon? Voici le mot donc qu'il va deviner. Voilà. Cher ami, non, non, parle. Laisse le micro, parle fort. Il va, parle. On parle. Reprends. Encore. Voilà. Dédé, c'est ce qu'il a dit là-bas. Oui, oui. C'est qu'il a dit dessus de la. De... Hein? Et il a dit quoi? Il a dit. Allez, une fois. Non, encore. Esthétique. C'est ça qui est petit comme ça là. Il a dit quoi? C'est là. Il a dit quoi? Esthétique. Viens, 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 viens. C'est pas fini. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Tu as vu? Ouais, j'ai déjà vu. Tu as vu? Mm-hmm. Tu as vu? Oui. D'accord. Tiens le micro. Belém, c'est bon ça? C'est bon. Allez, cher ami, vas-y. Ça va? C'est bon. Bouche à oreille. Faut bien articuler. Faut bien articuler. Bouche à oreille. Lève le micro, vas-y. Bouche à oreille. Reprends. Fais doucement. Doucement. Parle fort. Ou pas.
Bouche à oreille. Parle. Bouche à oreille. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Biotique. Bon, une dernière chance. Vas-y. Non, non, vas-y. Mm-hmm. Parle bien. C'est trois mots. Donc, faut attirer Philippe. Une fois encore. Encore. Cher ami, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le micro. C'est une expression. Vas-y, dans le micro. Allez. Dis-nous quelque chose. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Biotique. Comment? Biotique. Non. Non. Merci. La prochaine fois sera la bonne. Tiens, c'est pour toi. Allez, vas-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Pépite, je veux une personne pour Pépite. Une seule personne. Bien, viens vite, viens vite. Monsieur Surgou, on va vous déranger. Ah. On va vous éviter. Venez, on ne va pas oublier. Okay. Prenez place. D'accord. Voilà. Asseyez-vous. Oui, asseyez-vous. Vous allez bien? Oui, ça va. Attention. Vous allez bien? Eh, la taille, là, c'est pas ça. Ça va? D'accord. Vous avez compris le principe? Oui. D'accord. Monsieur Surgou, vous avez compris le principe aussi? Oui, j'ai compris. D'accord. On va porter le casque. On commence par vous. Ok. À ce moment, porte bien le casque. Hein. J'ai porté. En fait, je veux pas enlever non, le non, chapeau. Non, non. Porte bien. Voilà. Mets le son à fond. À fond. C'est bon, tu as mis? Ouais. À fond? À fond. D'accord. C'est bon? C'est bon pour vous? Voilà. Alors, allez-y. Parlez, parlez. Enfant de cœur. Encore. Enfant de cœur. Encore. Enfant de cœur. Encore. Enfant de cœur. Monsieur Surgou, qu'avez-vous lu sur les lèvres? Là, c'est très compliqué. Je suis dit, mais ça là. On va reprendre. Asmao, mets le son. Allez-y, dites encore. Enfant de cœur. Faut bien articuler. Enfant de cœur. Encore. Enfant de cœur. Voilà. Monsieur Surgou. À vos honneurs. Comment? À vos honneurs. À vos honneurs. Oui, c'est à votre honneur. Non. Non. Ah, ok, d'accord. Fallait plutôt dire. Enfant de cœur. Enfant de cœur. On va inverser les rôles. Alors. Enfant de cœur. On va inverser les rôles. Ouais, ça c'est bon. Assois, mets la musique. Hein. Mets. Moi j'ai mis. C'est bon? Ça marche. Monsieur Surgou, à vous. Coup de poing. Coup de poing. Coup de poing. Coup de poing. Une dernière fois. Coup de poing. Mais qu'elle reprenne? Mets la main. Oui, c'est pas encore. Allez-y. Coup de poing. C'est bon? D'accord. Oui. La musique. Coup de poing. Ouais. C'est bon. Ouais, c'est ça, un coup de poing. Ouais. Merci de l'applaudir. Merci. Voilà, ça marche. Merci, Elvis. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Surgou. Merci. Voilà. Tu veux tester? Non, moi, je veux pas. Francky, viens. Francky, viens. C'est compliqué. Mets ta musique, là. Mets ta musique, là. Viens, rapidement. Applaudissons pour Francky. Applaudissons pour Francky. Fais t'asseoir. Porte-moi le tout. Non. Porte à Francky. Vous avez vu, non? Ouais. Bon, il est assis en face, donc il ne peut pas vous montrer. Bouche à oreille. Tiens. Bouche à oreille. Bouche à oreille. Attends. Bouche à oreille. Yeah!
mon oreille. La balle. Oh, quelqu'un qui travaille à casse tous les jours, DJ. Allez, petite virgule et puis on revient juste après. On ne peut pas oublier à nous, maman. On arrive. Ici, là, c'est chacun à son tour. Voilà. Monsieur Sougou, ça va? Ça va très bien. Bonne ambiance? Très bien. Vous aimez le coupé décalé? Bah, plus ou moins, oui. Et vous arrivez à faire le coup de roue casse-casse? Non. Jamais. C'est la partie là que vous n'aimez pas? Bon, je suis plutôt Zouglou. Ah! D'accord. Voilà. Tout à l'heure, on verra ça. Allez, lui, il fait donc dans le coupé décalé. Il vient pour faire bouger encore les choses, d'autant plus qu'on est samedi. Vous le savez, samedi, on rentre dans le bruit, n'est-ce pas? Et nous, on a le bruit ici depuis 11h30. Et c'est comme ça tous les samedis. Avec lui, il y aura encore beaucoup plus de bruit. On va donc monter d'un cran avec son concept avancer, avancer. Voici Eddy Mignon. Merci d'applaudir pour lui. On se tient debout. Ouattara, commissaire Sémi Tsenzan de Ouaga, Ousmane Bamba.
Viens. Eddie, viens-toi là un instant. Faut souffler un peu. Cher ami, on dit quoi? Ça va bien. Tu peux te présenter? Hamza Topso. Tu viens d'où? Je viens de Carpi City. De quoi? Carpi City. Carpi City. Ouais. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Je suis un étudiant en technologie solaire appliquée. C'est mieux, tu vas rester là-bas. Hein? T'as compris? Avec tout l'amour que j'ai pour toi, c'est mieux, tu vas rester là-bas. Parce que dans celle-là, faut laisser. Concentre-toi sur technologie solaire appliquée. Hein? Voilà. On compte sur toi. Ça peut aller? Merci beaucoup. Présente-toi. Bon, Moundada la vérité. Moundada la vérité. Oui, oui. Tu es humoriste? Oui. Faut continuer à mentir. Enfin, le problème, c'est que de toute façon, tu mens là. Ça joue sur toi. Quand même, dans danse là, tu mens aussi. Le gars fait avancer comme ça. Toi, tu dis avancer. Dis quoi? Hein? Faut dire. Comment? Ah, d'accord, c'est bon. Vas-y, merci beaucoup. Eddie Mignon, on peut l'applaudir. Eddie, avancez. Oui, ma frère. Avec Landry Blessing? Oui, oui. D'accord. C'est l'actualité? Ouais, c'est tout nouveau. D'accord. C'est pour encourager tous ceux qui travaillent, tous les bosseurs, de ne jamais baisser les bras. Non, qu'à avancer. Quelles que soient les circonstances, il faut toujours avancer. Et puis, ils vont allumer après. On va allumer. Allez, on va donner donc le contact des 10 millions pour... Oui, le contact, c'est le 07 09 39 04. On reprend? 07 09 39 04. Ça marche. Avancez, 10 millions. Merci beaucoup. Et à très bientôt, Eddy. Voilà. Alors, M. Sourougou, ils ont avancé, hein? Beaucoup. Vous, depuis 98, vous avancez, n'est-ce pas? Absolument. Alors, dites-nous, durant tout ce temps, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'aujourd'hui, vous regrettez? En tant que mécène, voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est le mécène qu'on reçoit. Je dirais qu'il n'y a pas eu une bonne politique de la musique burkinabé. D'accord. Il n'y a pas eu une très bonne politique. La musique a été délaissée. Et nous sommes un peu dans la dynamique de boucher certains trous, voilà, que nos prédécesseurs ont oublié. D'accord. En ce sens que, quand j'étais acteur, je dirais, quand j'étais manager d'artiste, j'ai managé, après c'est devenu production en 2009, j'ai managé Yoni. Yoni? Oui. Ok. J'ai managé Idak Bassavé. D'accord. J'ai managé, paix à son âme, Georges Oudraogo, le Gandoro National. Waouh! J'ai managé la ravissante Candy Guira. Il fait fureur actuellement en Europe. On rappelle que Candy Guira tourne en ce moment du côté de l'Europe. Absolument. Et puis elle accompagne aussi Oumou Sangaré. Absolument. Ouais. Mm-hmm. Voilà. Et j'ai même produit un son pour Malcolm de Face au Combat, le frère Malcolm. Ok. Kami Mamna Bang Mama. C'est moi qui ai financé, c'est moi qui ai pris le son pour lui. Ok. Voilà. D'accord. Donc c'est pour dire qu'en réalité, je me suis rendu compte que beaucoup n'ont pas trouvé d'intérêt à accompagner la musique comme il se devait. Beaucoup d'acteurs privés l'ont fait à leur manière. Je prends l'exemple, si vous me le permettez, du PDG de Cédric Production. D'accord, M. Traoré. Traoré. Salut au passage. Voilà, que je salue au passage. Et il a fait tout ce qu'il pouvait pour que la musique vraiment ait de l'avant, ait un bon décollage. Ouais. Ça a commencé effectivement, mais il n'y a pas eu une suite au niveau du gouvernement. Okay. Il n'y a pas une bonne politique. C'est votre pincement au cœur. Voilà. C'est le regret que vous avez par rapport donc à ce milieu-là. Absolument. Ouais. Okay. D'accord. Et quelle est votre plus grande fierté en fait de votre parcours de mécène? Qu'est-ce que vous avez eu à faire? Et suite à la réalisation, vous vous êtes dit oui, j'ai fait le bon choix d'avoir accompagné cette personne. Je prends l'exemple de ce trophée que m'a offert la nuit des stars. Oui. Voilà, ça c'est une fierté pour moi. Uh-huh. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de trophées de ces gens, mais je leur ai dit que la nuit des stars c'est assez spécial. Uh-huh. Parce que le promoteur c'est un jeune que j'ai décidé d'accompagner depuis que je l'ai connu. Comme je le disais tantôt, le showbiz, vous savez que c'est la culture. C'est ça. Et la culture veut que les acteurs soit très humain. Et d'abord l'humilité. Mm-hmm. Voilà. Et le monsieur en question dont je parle, Maestro, en tout cas,
il déborde d'humilité. Ouais. Donc, si bien que j'ai du mal à lui faire quelque chose. D'accord. Ah, donc, je suis toujours prêt pour la compagnie. À la compagnie. Ouais. Ça va, ça va. Maestro, déjà. Maestro. Alors, vous avez. Comment je dis ça? Dans les Saintes Écritures, notamment dans la Bible, on dit nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Ouais. Nul ne peut aller vers le Père sur goût sans passer par le Fils. Maestro, faisons des stars. Allez, un autre instant en jeu dans cette aventure. Vous le savez, c'est la télé s'amuse. Hein. On prend beaucoup de plaisir à vivre ces instants en votre compagnie. Et j'espère qu'il en est de même pour vous qui nous suivez depuis donc, vos lieux de service, votre salon, tout ça et tout. Alors, tous les samedis, c'est comme ça. On déborde d'énergie et puis on passe un samedi agréable. C'est vrai qu'il est midi, les gens veulent manger. Mais nous, on vient changer un peu les choses. Pendant que les gens mangent, tu vois, ça rit. Souvent, la nourriture là, remonte. Vous bloquez, c'est bon. Si ça sort, c'est parce que vous allez avoir encore pour remettre. Allez, autre instant jeu dans cette aventure. Alors, ça s'appelle le jeu de la corde. On a trois publics, quatre. Mais on va laisser nos mamans d'abord. On vient, je vois que tout arrive. On va aller avec les plus jeunes là d'abord. Viens toi-même. Les mamans là. Non, viens. Viens. Voilà. Mets-toi là. Encore un représentant. Viens. Pépite, je veux aussi quelqu'un. Voilà. Viens. Attention. Voilà. On va jouer au jeu de la corde. Il n'y a pas de nyaoué ici. C'est très simple. Très simple. Vous n'allez pas sauter. Non. On va tirer. Alors, on va tenir ça comme ça. Et on va bander vos yeux. D'accord? Vous allez voir la position de la corde. Et en fonction de cela, vous allez enjamber la corde. C'est bon? Frankie, tu peux venir tester, ils vont voir. Essayez d'enjamber. Essayez de sauter, voir. Essayez. Non, non, essaye de... Enjamber. Voilà. T'as vu, non? C'est hein? Comme ça. Vous avez vu, non? Mais c'est juste que, ici, la difficulté, vous aurez les yeux fermés. Yeux bandés. La position ne change pas. La position ne change pas. D'accord? Frankie, viens m'aider, s'il te plaît. C'est simple. Comment? Alors, Frankie, il faut tirer. Asma, vas-y. Mm-hmm. Tu as bien vu, hein? Tu as bien regardé. Tu as calculé le sinus, du cosinus, de l'angle. Regardez-vous, soleil, là, vous faites ça, non? Voilà, sinus, cosinus, tangente. D'accord, et les X. Ah, tout ça, là. C'est bon, voilà. Tu as bien vu? Ok. Maintenant, vous allez l'accompagner parce qu'il vous représente. D'accord. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Il vous représente. Non, non, on ne le guide pas. On ne le guide pas. Il a vu la corde. Pourquoi aller le guider? Vous l'accompagnez seulement. C'est bon? C'est combien? D'accord. Viens là, je t'aide. Franck, il faut suivre à ce moment-là. Oui, c'est bon, vas-y. Tu peux enjamber maintenant. Vas-y. Reste là. Yedio, c'est à quoi de petit Salah? Tu as fait comme ça là. Petit Salah, tu as fait comme ça. Hein? C'est mieux comme ça. D'accord, viens. À qui le tour? D'accord. Mais toi, t'es garçon, non? Le micro est où? Tu as dit quoi? Honneur? Honneur aux dames. Tu es garçon? Je donne mon micro. Honneur aux dames. Comme si elle est garçon. Viens. Voilà. Ça va aller, hein? N'aie pas peur. Sois relax. Je ne sais pas si au niveau de la régie, on peut nous avoir des replays hein, de ce qu'on est en train de faire là. Ça l'aide bien quand même, hein? N'est-ce pas, Frankie? Hein? Des replays. C'est bon? Ouais. Combien?
D'accord, allez, venez. On se calme, hein. Public, on se calme. On se calme. On se calme ici. OK. Un instant. Tu me suis? C'est bon? Allez-y. Allez-y, fais un jambé. Vas-y, vas-y. Vas-y. Encouragez-la, s'il vous plaît. Vas-y. Je t'aide, je t'aide. Vas-y. Allez, allez, vas-y, allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, allez. C'est bon. Reste là. C'est ça, là. C'est ça, c'est... Hein? Ça marche, c'est bon? On va aller avec toi. Frankie, tu... Faut l'encourager. Toi, Yeb, ah, c'est quoi? Ouais, c'est trop serré. Okay. Ça va, t'es bon. Non, Guy, c'est pas bien. Non, non, laisse. Ok. Voilà. Allez, vas-y, en jambe. Vas-y. Tu es proche, tu es proche. Tu es proche. Encouragez-la. Ça te donne quoi? Merci de les applaudir les trois. Voilà. Ça va? Ah bon, allez, allez, on y va, on regarde. On va voir ça ensemble. On peut faire ça comme ça? Hein? On peut faire ça comme ça? Merci de vous applaudir encore une fois de plus public. Voilà. Guya. Ouais, voilà. Ça, c'est la dernière tentative. C'est la dernière. Ah ouais? Ah, y avait un coach même, il y avait un coach même là-bas qui... Voilà, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, le truc, c'est qu'elle a failli tomber. Hein. Quand tu faisais ça là, tu cherchais quoi? Je cherchais l'équilibre pour sauter comme ça. Ah ouais, ça marche. En tout cas, merci de vous applaudir encore, public. Alors, Monsieur Sourgouf, tout à l'heure, vous partagez avec nous donc coup de cœur et on va dire coup de gueule aussi, hein, quelque part. Mais nous, on veut savoir quelque chose. Pendant que vous étiez manager, est-ce que vous êtes arrivé de doubler une fois votre artiste? Doubler? De doubler un artiste. Alors, doubler, c'est... c'est-à-dire que on vous contacte pour avoir l'artiste en prestation. Vous discutez du cachet, supposons que le cachet c'est 500 000, et vous dites à l'artiste, non, bon, les gars l'ont dit de venir, qu'ils n'ont pas assez d'argent, moi j'ai pris 300 000. Mm-hmm. C'est déjà arrivé? Malheureusement, non. Vous êtes sûr? Très sûr. Oui. Sûr et certain? Alors nous on a quelque chose ici pour détecter si c'est vrai ou bien si c'est pas vrai. Ok. Vous allez fermer les yeux, vous voyez les index là, vous allez les joindre. Si toutefois ça se colle, c'est que c'est vrai. Si ça se colle pas. Si ça se colle pas. C'est bon. C'est pas vrai. On peut essayer. Ah bon? Oui. Mais les yeux fermés. Comme ça. Voilà. Allez-y. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouvrez-les. Ah bon, voilà. Alors, avant, on savait que quand vous étiez dans le management, il n'existait pas ces nouveaux outils. Il n'y avait pas les plateformes de téléchargement, il n'y avait pas Facebook et autres. C'est ça. Comment vous arrivez donc à pouvoir placer vos artistes? Bon, c'était essentiellement des contacts. Hein. Il faut avoir un réseau en réalité. D'accord. Alors, je n'ai pas beaucoup duré dans le management parce que, effectivement,
les réseaux étaient un peu saturés. Mm-hmm. Voilà, et je peux dire que les réseaux étaient occupés par nos devanciers. D'accord. Nous étions un peu les nouveaux, les jeunes dans le management. Donc moi, en tout cas, je me suis lancé dedans pour pouvoir mieux appréhender le domaine parce que je comptais vraiment être un producteur. Un producteur. Voilà. Ah mais est-ce que la porte est fermée pour la production? Non, vous êtes producteur. Je suis producteur maintenant. Voilà, maintenant. C'est vous avez produit dernièrement Coco Diamant, voilà. Qui a chanté pour la paix au Burkina Faso. C'est une artiste ivoirienne d'ailleurs qu'on a reçu ici il y a quelques semaines de cela. Alors, de ces artistes avec qui vous avez travaillé, c'est lequel qui a retenu votre attention positivement? Un nom, juste un nom. Idak Bassavé. Ok. Et c'est lequel qui a retenu votre attention négativement? Négativement. Si il y a positif, c'est qu'il y a négatif. Bon, moins positivement, je dirais. Moins positivement. Voilà, Kandi Guira. Kandi Guira, d'accord, ça marche. On peut applaudir encore vous. Monsieur, sur vous. Voilà. Alors, ce qu'on va faire à présent, on va donc y aller pour nos annonceurs. Voilà. On va donc se tourner vers nos amis de Pépite d'entreprise déjà pour commencer avec Prosper. Quand on dit Prosper, il faut dire présent. Prosper, tu peux pas dire présent. Voilà, prends le micro avec Armel. Alors Prosper, avec toi on parle de Pépite d'entreprise, notamment la foire. La foire Pépite. Oui. Voilà. Oui, vas-y, Prosper, je vais aller voir. Elles d'accord, sont là. Super. Donc, nous sommes là pour parler de la foire Pépite d'entreprise. Oui. Et c'est prévu pour le 25, 26, 27 novembre au Sénaza. D'accord, dans la cour du Sénaza. Dans la cour du Sénaza. C'est comme ça. Ouais, on pensait que c'est dans la salle des spectacles. Ok, dans la cour du Sénaza. D'accord, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est ouvert à tout le monde. Ok. Voilà. C'est combien d'exposants? 100. 100. Les 100 meilleurs jeunes entrepreneurs. Les 100 meilleurs jeunes entrepreneurs. Oui. Mais de ces 100-là, on a 10 qui sont calculés pour la finale. 8 qui sont en demi-finale. En demi-finale, voilà. D'accord. Et lors de la foire, on va choisir les 4 finalistes. Les 4 finalistes. Qui vont compéter le 3. On rappelle que le vainqueur, il a quoi? Il aura 15 millions de francs. Toi-même, tu as 15 millions. Non, ça vous inspire. Alors, on a des pépites avec nous ici. Voilà, vous allez vous présenter. Et puis, votre structure. Moi, c'est Gengani W. Elisabeth, promotrice du projet Aloe Vie. Aloe Vie, oui. D'accord. Bonjour, je suis Elfried Samira Nikema, promotrice de la plateforme www.croïs.com. D'accord. Bonjour, je me nomme Diop Adam, promotrice de l'épicerie Because Bio. Because Bio. Vous trois, asseyez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Bon, Adam pourrait rester debout, mais bon, c'est pas grave, c'est bon. Alors. Bonjour, moi, c'est Paris Inès, promotrice de Idaga, la maison du créateur. D'accord. Demi Rukié Tusselia, coéquipière de Monsieur Ouedraogo, Prosper. Coéquipière. Ah bon? Ok, merci pour l'occasion que vous nous accordez. Oui. Je suis Avrida Imouine Esther, promotrice de la marque Bestie Fashion and Beauty. D'accord. Merci. Merci de l'applaudir. Ça marche. Donc, Prosper, on rappelle rapidement que c'est pour le 25, 26, 27 novembre dans la cour du Sénat. D'accord, ouvert à tout le monde. C'est à partir de quelle heure? À partir de 9h. Ça marche. Merci beaucoup, Prosper. On peut l'applaudir. Alors, on a notre ami qui est là, Kachula Nyaskoum. Alors Kachula, tu as ton premier One Man Show prévu pour le 25 novembre prochain, c'est tout ça? Tout à fait, d'accord. Le 25 novembre prochain au Sénaza. À partir de 20h. Okay. Voilà, maintenant, si vous me le permettez, il y a le papa qui disait tout à l'heure qu'il soutient les artistes musiciens. Et j'aimerais dire au papa et les que... Humoristes, demandez, et les voilà, humoristes. tout l'art complet. Il soutient la culture. Voilà, et Dieu faisant bien les choses. Il soutient la culture. La culture. On parle de One Man Show là. Après là, je vais te présenter à Maestro. Allez, dis-nous, pas nous, c'est Jacques. C'est géré. C'est géré, tout a eu géant, c'est géré, on a géré. Okay. Alors donc c'est l'émotion, le titre du spectacle. C'est l'émotion, quand tu l'as dans l'émotion. Dans l'émotion. Voilà, c'est-à-dire qu'on parlera de tout ce que nous procure de l'émotion. De l'émotion. D'accord, à partir de quelle heure? À partir de 20h. Prix d'entrée? Le prix d'entrée c'est gratuit, mais c'est comme je l'avais dit, le parking fait 2000 et 5000. Ok, voilà. Tu viens, tu gardes, tu payes 5000, 2000 et puis tu rentres. Et puis tu rentres. Mais lui qui vient sans voiture, même moto, il fait quoi? C'est-à-dire que c'est le parking des sièges, en fait, tu payes avant de t'asseoir. Ok, d'accord, ça marche. Merci beaucoup à toi. Numéro de téléphone? Numéro de téléphone? 72 71 81
90. Ça marche. Voilà, papa, merci beaucoup. Faut s'y lancer à tes enfants. On peut profiter comme ça. Alors, nos amis de l'association des étudiants en technologie solaire appliquée, Christian Valéa. Ah, tu veux pas laisser tes camarades? Non, non. Je précise, je suis étudiant, mais je suis également entrepreneur. D'accord. Dans le domaine des énergies. Alors, vous avez une activité qui est prévue, c'est quoi? Les 72 heures de technologie solaire appliquée, qui est une activité de promotion des énergies renouvelables, mais d'accord, également de visibilité de la filière technologie solaire appliquée. Mm-hmm. Donc, c'est prévu du 25-26 novembre à l'Université Joseph Kizerbo, sous le thème transition énergétique et défis sécuritaires, quelle contribution des énergies renouvelables au Burkina Faso, bien sûr. D'accord. Donc, c'est dans l'optique vraiment de pouvoir proposer des solutions concrètes, parce qu'il faut dire que les énergies renouvelables peuvent également apporter leur pain pour la résolution de la crise sécuritaire dans notre pays. Je vais poser une question. Hé, attendez. Tu manges aux rues? Je mangeais aux rues. Tu mangeais aux rues? Oui. Voilà pourquoi tu parles comme ça. Je mange aux rues. Allez, donc, on rappelle que c'est ouvert à tout le monde. Voilà. À partir de quelle heure? C'est ouvert à tout le monde parce qu'il y a des expositions. Ok. À partir de quelle heure? 8h à 17h. D'accord. 3 jours. Numéro de téléphone? C'est le 77 66 60 70. Ok. Et on a également le 69 29 32 52. Merci beaucoup à vous. Merci. Ça marche. Alors, il est là, il est là. Ne pense pas qu'on l'a oublié. C'est notre très cher ami à nous. Merci le public de recevoir Samy Booster. On s'en va là-bas quoi. On s'en va là-bas quoi. On s'en va là-bas quoi. Pépite d'entreprise, population de Ouagadougou. Notez ceci, les jeunes entrepreneurs burkinabés réunis au sein de Pépite d'entreprise vous réservent des merveilles. De l'agroalimentaire, made in Burkina. De l'artisanat, made in Burkina. Des projets divers, made in Burkina et à très bas coût. Rendez-vous le vendredi 25, le samedi 26 et le dimanche 27 novembre 2022 dans la cour du Sénaza de 8h à 18h. Grande foire Pépite d'entreprise avec les meilleurs jeunes entrepreneurs du Burkina et leurs partenaires. C'est du 25 au 27 novembre 2022 pour préparer vos fins d'année en toute quiétude. Remerciements, Fonds Burkinabé de Développement Économique et Social, FBDES, l'Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises, AFP-PME, ODIAM, Maison de l'Entreprise, Elitis Express, Canal Plus Burkina et Coris Banque Internationale. À très vite dans la cour du Sénaza du 25 au 27 novembre 2022. Mon cher Guy, oui, Samy. La forme, c'est tranquille. Cool. Asmao, ça va, tout va bien. Bah ouais, super. Mes hommages honorables. Je ne salue pas mon ami de Karpala, on s'est vu déjà. Alors, honorable, ce matin, enfin, on vous a déjà entendu parler, hein, on a parlé de votre personnalité. Vous êtes un grand mécène, quelqu'un qui fait beaucoup pour les artistes burkinabés. Et moi, j'ai deux questions. Hein. La toute première, ça va être de savoir. Hein, je vais me permettre d'être un entremetteur ce matin. Est-ce que parmi tous les artistes, on va dire, avec qui vous n'avez pas encore collaboré, travaillé, est-ce qu'il y a un nom qui vous sort, qui vient tout simplement à l'esprit, avec que vous souhaiteriez rencontrer ou avec qui vous souhaiteriez tout simplement travailler dans le futur? Au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Écoutez bien parce que... Bon, au Burkina Faso, c'est le jeune Faden. Faden. Oui. Vous ne l'avez pas encore rencontré? Vous ne l'avez jamais vu? Non, je l'ai rencontré, mais je n'ai jamais travaillé avec lui. Jamais collaboré avec lui? Faden, tu as entendu? Hein? Je pense qu'il y a mon pourcentage dedans. Alors, on va enchaîner. Deuxième question. Déjà, il l'a déjà fait, hein, malheureusement. Je vous ai entendu, voilà. Citer plein d'artistes avec qui vous avez collaboré. Et parmi les noms que vous avez cités, j'ai entendu Idak Bassavé. C'est bien ça? C'est ça. Justement, en parlant de Idak Bassavé, on va partir avec Kenelan parce qu'elle a un message pour vous. On va l'écouter, on se retrouve juste derrière. On y va. Honorable Abdoulaye Sourgou, salut la télé s'amuse, Idak Bassavé. Aujourd'hui, je voudrais rendre vraiment un grand hommage à un grand monsieur, monsieur Abdoulaye Sourgou, avec qui j'ai travaillé pendant très très longtemps. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Lui aussi n'a jamais eu de problème avec moi. Il a connu mes débuts, j'ai connu ses débuts. Avec la chanson Mouze Aure, c'est vraiment cet homme-là qui m'a propulsé, en tout cas, au devant de la scène. Aujourd'hui, il ne m'a pas oublié. Mon frère, que Dieu te bénisse abondamment. Abdoulaye Sourgou, tu es un grand homme.
au grand cœur. Tu es toujours prêt à soutenir, en tout cas, les autres. Que Dieu te bénisse abondamment. J'aurais voulu être en émission avec vous. Malheureusement, le temps ne me permet pas. C'est en train de préparer un voyage. À très bientôt. Ciao. C'est bien dommage parce que comme c'est bien dommage, elle avait vraiment souhaité être là, mais malheureusement elle ne peut pas être là. Alors est-ce que vous avez un message à l'endroit de Idak Bassavé qui certainement nous écoute ou en tout cas elle verra les vidéos. Voilà, absolument. Je dirais que Idak Bassavé est l'un de mes premiers artistes que j'ai managé quand j'ai quitté Sierra Leone en 2009 et quand j'ai créé ma structure groupe Omega International. Et comme elle a dit, on s'est beaucoup soutenu. Et c'est une grande dame. Et pour moi, c'est une grande sœur, mais je l'ai pris en même temps pour plus pour une mère. D'accord. Voilà, donc elle aussi m'a pris pour un père. Parce que son papa elle se nommait Abdoulaye aussi. Abdoulaye, voilà. D'accord. On peut applaudir pour ça. Hein. Bravo. Alors, Samy, oui, c'est bon? Je pense que c'est bon. Hein. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à toi. Merci. Allez, à bientôt. Merci. Ciao. Merci. Alors, on a eu donc la vidéo, on a eu ses paroles, c'est émouvant quand même. Hein? Très émouvant. Il y a de l'émotion, n'est-ce pas? Ah ouais. Et j'ai entendu quelqu'un dire qu'il a failli pleurer en il tout a cas. Failli pleurer. Cette chanson, ça vous parle beaucoup, hein? La chanson là. Vous la connaissez, les gars? Ah ouais. Ah, la chanson, côté donc de monsieur Sourgou. Oui. Monsieur Sourgou, ça vous fait quoi? Très chaud au cœur. Très chaud au cœur. Il y a longtemps que vous êtes vus? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Oui. Là, on sentait vraiment l'émotion. Il fallait qu'on le fasse. Hein. Bien sûr. Ah ouais. On s'appelle, mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Mm-hmm. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vous dire tout de suite là? Ben, Abdoulaye Sourgou, j'ai travaillé pendant très longtemps avec lui. Mm-hmm. Et c'est vraiment un grand homme au grand cœur qui est toujours prêt à soutenir. Et c'est vrai que j'ai connu ses débuts, c'était pas facile. Et lui aussi, il a connu mes débuts avec ma chanson Mouzo Aouré. C'est grâce à lui qu'en tout cas, les gens ont connu la chanson un peu partout. D'accord. Vraiment, je voudrais lui dire merci. Et il est en même temps mon père parce qu'il porte le prénom de mon papa. Okay. Donc, c'est Abdoulaye. Et il a vraiment intérêt à s'occuper de sa fille. Voilà. Ça marche. Merci. Voilà. Alors, je prends le micro, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, vous êtes là, bien sûr, hein, pour accompagner M. Sourgou, PDG donc, du groupe Omega International. Si vous avez un mot pour lui, ça sera quoi? Vous pouvez... Dans le micro. Uh-huh. Elle est là, elle va faire. Oh, elle n'a pas mort. Oui, qu'est-ce que c'est? Elle n'a pas mort. Bon, Honorable Sourgou, Sida, il y a ton yao, il y a des bigas, il y a des gnara, il y a net un peu de wilig. Il y a net ce nom, n'est pas fin. À pas bac, ça a été dit. À son de ton loup, ton sac à poing, ton qui est le nom au groupe, il y a femme dynamique, bah la nagnade. Ah, donc il y a un peu de roman, la femme dynamique, nagnade. Ah ouais! Il y a Neda. Ça marche. Il y a Neda, à pas wilgué. En fonction de ta taure, ni zibning, ziba sik. Tu es un homme. 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 Tu es un à Sindy Commande. Amina. On peut plus rien ajouter à ce qui a été dit. Alors, M. Sourgou,
On aurait bien aimé en tout cas avoir plus de temps pour pouvoir donc s'étaler. Mais bon, vous savez, la télé, il y a les exigences qui sont là. Nous sommes quasiment à la fin donc, de ce parcours. Okay. Un mot de fin. Bon, mon mot de fin, c'est déjà dire que préciser que je, comme la vidéo l'a montré, je suis PDG du groupe Omega International. Mon bureau se trouve à Ouagadougou et aussi à Bobo du Lasso. Et j'ai ouvert un autre bureau au niveau d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes internationaux comme le nom le dit. Et bientôt, on sera au Niger et au Mali. D'accord. Et je remercie beaucoup BF1, la télé, BF1, particulièrement l'émission La Télé S'amuse. Je remercie tous les animateurs qui sont là aujourd'hui. Et je dis grand, grand merci à votre DG, Issoufou Saré, parce que lui et moi, on a travaillé ensemble à Cérony. On occupait le même bureau aussi. C'est vrai. Ça marche. Voilà. En tout cas, merci à vous, merci à ce charmant public. On va se tenir debout. Et c'est tout en beauté dans une ambiance festive, notamment avec ce nouvel album qu'elle a sorti il y a quelques mois de cela, en hommage à son père. Voilà, un magnifique album qu'on va se dire au revoir en compagnie donc de la diva Idak Bassavé. Allez, bon week-end à toutes et à tous et à très bientôt. Honorable Abdoulaye Sourdou, Abdoulaye Sourdou, honorable Abdoulaye Sourdou, Abdoulaye Sourdou, notre poussa forme sa même barca. Musa.